been seeing a lot of videos about the man from Africa who the government was trying to kill, but they couldn't really kill him. You know, they did all kind of bad stuff to him. I just want to let y'all know he was a Bantu man. He was an Israelite by blood, a saint, real saint. His name was Simeon Toko. They cut his heart out and everything. You see that? And they told him. He told them when his heart was out that there's many more like him that's gonna come in the future, and they ain't gonna be able to stop what's gonna happen. Katwetu wekuzulu kumbwa kuwabinsango kifumukiako yisa mukumufumueto malaki makungu tunda. Ok. Et salama à tous ceux qui nous écoutent. Hein. Et salama, ça veut dire que tout s'accomplisse. Tout ce que vous avez besoin s'accomplisse pour vous. Hein. Mes bien-aimés frères et sœurs, partout où vous êtes, le peuple du Dieu vivant, dispersé au-delà du fleuve de Couche, comme c'est écrit dans Isaïe chapitre 18, verset 1 à 7, et confirmé dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Le peuple du Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, est dispersé au-delà du fleuve de Couche. Les Bena Yankaba. On a pu identifier et compris le nom de Jacob Yankaba. Les Bena Yankaba sont dispersés au-delà des fleuves de Couche. C'est-à-dire les adorateurs, qui veut dire fidèle. Fidèle veut dire serviteur, serviteur. Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 2, c'est Yankaba, c'est Yakuba, c'est les fils de la lignée des 12 tribus Bantu. Et c'est pas étonnant que les 12 royaumes ont existé au-delà des fleuves de Couche. Donc, Belouka, tous nos bien-aimés, les captifs de Yankaba, c'est-à-dire les captifs de Yankaba, Jacob, qui sont dispersés parmi les nations, comme c'est écrit aussi dans le Coma de Vankaka, notamment dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, verset 7, Lamentation, chapitre 1, verset 3 à 5, Zacharie, chapitre 1, verset 21, et sans oublier dans le livre de Ésaïe, chapitre 11, verset 12. Les dispersés de Yakoupas qui sont captifs dans les quatre coins de l'univers. Vous avez les Sidi, les autres partout dans le monde qui ont été amenés captifs par les Ntantu, Édomites et Ishmaélites, Moabites et Amalekites, qui sont les ennemis de Yakongo, selon le Psaume chapitre 83, versets 2 à 13. Donc, Belouka à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui connaissent des temps difficiles dans ces derniers temps. Oui, nous sommes dans les derniers temps. Tant pis pour ceux qui dorment, mais pour ceux qui se réveillent avec nous, soyez bénis. Revenez au coma, repentez-vous, c'est-à-dire que avouez vos péchés à Tatanzambi. Ok, avouez vos péchés à Tatanzambi, le Père suprême. Abandonnez vos péchés. Ok, ne les faites plus. Et vivez continuellement, c'est-à-dire tout le temps de votre vie, dans la crainte de Tatanzambi. C'est-à-dire que dans la haine du mal, selon Proverbe chapitre 28, verset 13 à 14, et confirmé dans Proverbe chapitre 8, verset 13. Donc, voilà quoi. Donc, aujourd'hui, nous revenons encore. Donc, Belouka à tous ceux qui sont ici présents, parce que nous allons, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, on va faire un miracle. On va faire un miracle, on va vous ouvrir les yeux pour vous faire connaître les merveilles du coma. Vous faire connaître encore que ce livre n'est que l'œuvre du peuple dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie, comme lui-même le Tout-Puissant l'a confirmé. Ce ne sont pas les mots de Yantiba, ce n'est pas les mots de quiconque. Okay? Ceci a été écrit des siècles et des siècles, et vous avez des parchemins qui datent des siècles et des siècles qui ont été trouvés, qui confirment cela. Ok? Vous avez les documents anciens, hein. Le livre d'Ésaïe, de Qumram, vous avez Qumram qui a trouvé des documents très anciens qui datent avant Jésus-Christ. Vous voyez un peu le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 18 qui parle déjà son peuple est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Vous avez le livre de Sophonie. Donc ça date des siècles et des siècles que c'était déjà écrit. Que le peuple du Dieu vivant est dispersé ou sera dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Quand lui-même le Père suprême envoyera Yakongo pour les rassembler, les ramener. Voilà quoi. L'archange Kongo revient, selon Daniel chapitre 12, pour rassembler son peuple, et pour la résurrection aussi. Hein. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Daniel chapitre 12, versets 1 à 3. Donc, Belouka, tous les bien-aimés frères et sœurs, ce livre est sûr, et le livre est convaincant. Ce livre est sûr, c'est écrit des siècles et des siècles, et il y a des vieux parchemins qui témoignent de cela. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Hein. Seuls ceux des idiots qui continuent à dormir, tout ça comme ça, on ne peut rien faire. Et on vous a témoigné le nom de Baï Kongola dans le coma. Baï Kongola, c'est écrit, hein, c'est écrit Bakongola. Baï Kongola, le livre de Kongola. Le nom de Kongola est dans la Bible. Les habitants de Jérusalem s'appelaient les Baï Kongola, c'est-à-dire le peuple Kongola, les habitants de Jérusalem. Tout cela est confirmé. Dans les parchemins anciens, c'est écrit. Le nom de Nzambi, on vous l'a donné. Qu'est-ce que vous voulez encore comme preuve? De qui parle-t-on dans ce livre? Donc c'est pourquoi ici on vient donner encore des cartouches pour que les Obas se réveillent, pour vous témoigner encore que ce livre a été écrit par vos pères. Donc pour cela on va aller dans le livre de Yokana. Son nom n'était pas Jean, c'était Yokana. Yokana veut dire entente. Entente en langue Congo, ça veut dire Yakana. Yakana c'est en langue Congo, ça veut dire aussi entente. En l'occurrence, ici, c'est Yokana. Ça veut dire aussi entente. Donc, en langue Congo, c'est Yakana. En langue Lingala, c'est Yokana. Donc, quand vous voulez voir la transcription ici, en hébreu, c'est quoi? C'est Yakana. Yokana, qui veut dire entente. Donc, son nom n'était pas Jean, c'était Yokana. Yokana, parce que vous avez le vav ici, vous avez le yod, le vav qui donne O ou U, vous avez le ka, et vous avez, voilà. Donc, je répète, excusez-moi, je me suis trompé, vous avez le het. Donc, son nom est indiqué ici, vous avez le yod, le vav, le het, le nun, et puis le nun encore, qui est sourd ici. Donc c'est Yokana, au lieu de Yokana. Ok? En langue Congo, c'est Yakana. Donc Yokana, qui est en langue Lingala, qui veut dire, voilà, entente. Donc voilà. Donc, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis partout où vous êtes. Donc on va aller dans le livre de Jean pour comprendre l'objet de cette vidéo et vous expliquer pourquoi on fait cette vidéo. Cette vidéo va vous révéler un secret qui est un miracle. Le miracle ne peut venir que de celui qui a créé toutes choses. Et vos yeux vont s'ouvrir en regardant cette vidéo pour connaître qui sont les peuples du Dieu antique, du Dieu ancien. Pourquoi Dieu dit que son peuple est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie? Pourquoi Yankaba est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie? Yankaba, c'est Jacob. Alors, regardez bien attentivement cette vidéo et soyez attentifs. Que le Tout-Puissant vous remplisse de l'Esprit Congo, après que l'Esprit Congo vous guide à comprendre cette vidéo. Donc on va aller étape par étape pour vous amener au Bina. Donc on va vous donner le Bina qui vient de l'Esprit Congo. Donc on commence, nous sommes dans Yokana, Jean chapitre 6, le livre de Jean chapitre 6, 26, pour que vous compreniez le contexte, hein, parce que sinon on va se perdre. Donc nous sommes dans Yokana chapitre 6, on va prendre à partir du verset 26, jusqu'à 31. Ok, pour que vous compreniez le contexte, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue entre Isaïe et les membres de son peuple. Et vous allez comprendre de qui est en train de dialoguer avec Isaïe. On dit ceci, Isaïe leur répondit, en vérité, je vous le dis. Kedika, Kedika. En vérité, je vous le dis. Vous qui me cherchez, non, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Donc si vous lisez un peu avant au verset 1, c'est-à-dire le peuple avait faim, il y avait peu de nourriture et Isaïe a fait un miracle en nourrissant le peuple. Donc il voit le peuple suivre Isaïe. En fait, leur besoin était de le faire roi, quoi, pour qu'il devienne leur roi. Parce que, voilà, il avait le potentiel, le pouvoir de faire des miracles. Ici, en l'occurrence, parce qu'ils avaient faim, bon, ils ont mangé, ils se sont rassasiés, et puis ils le suivaient toujours, pour avoir toujours abondance de nourriture. Donc, Isaïe leur répondit au verset 27. « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que les fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Point. Donc Dieu a marqué de son sceau le fils de l'homme, Benamuntu. C'est-à-dire Benamuntu, c'est le fils de l'homme, ça indique toujours le singulier de Bantu. Donc il se définit comme toujours Benamuntu, le fils de l'homme, Benamuntu. Ça veut dire le singulier du mot Bantu. Retenez bien ça. Verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ça, c'est son peuple qui lui dit, posa la question. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Isaïe a alors répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc, il se définit ici comme l'envoyé de Tatanzambi. Donc, si vous voulez faire mes œuvres, ok, il leur demande, voilà quoi, vous devez faire ce que je vous dis parce que je suis l'envoyé de Tatanzambi. Ok? C'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire que vous croyez en toute parole qui sort de la bouche de celui qu'il a envoyé, que Tatanzambi a envoyé, parce que Tatanzambi a mis son sceau sur celui qu'il a envoyé. Le Benamuntu, c'est-à-dire, voilà quoi, il se définit comme Benamuntu, fils de l'homme, qui est le singulier de qui, de quoi, Bantu. Écoutez maintenant verset 30, son peuple dit ceci. Pourtant, ils avaient vu des miracles. Il leur dit, « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu » C'est la question qu'ils posent. Maintenant, ils disent au verset 31, c'est son peuple qui parle, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. » 2 points. Les 2 points, on dit que quoi? Ça indique l'explication. Et retenez bien le 2 points. Le 2 points, on va voir la définition de 2 points. 2 points. 2 points, on dit quoi? Signe de ponctuation formé de 2 points superposés, servant à introduire une explication, une énumération, une citation. Donc ça donne une explication, une énumération et une citation. Les 2 points. Donc, on revient. Retenez bien, là, dans la ponctuation, les 2 points superposés indiquent une explication, une citation ou citation, une énumération. OK? Retenez bien les 2 points. On aura encore besoin de ça. Maintenant, explication veut dire quoi? Définition aussi, hein. Donc, ça, on reviendra sur ça plus tard. OK? Retenez bien ça. Donc, verset 30, « Quel miracle feras-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyons et que nous croyons en toi ? Que fais-tu ? » Point d'interrogation. « Nos pères, 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert, virgule, selon ce qui est écrit, 2 points. » Ok, donc il donne une explication, « Il leur donna le pain du ciel à manger. » Donc, selon la parole, là, ils connaissent les écritures parce qu'ils le ramènent à plusieurs écritures qui parlent de la manne, notamment Exode chapitre 16. Ils le ramènent dans Exode chapitre 16, dans Nombre chapitre 11 et dans plusieurs écritures qui confirment cela. Deutéronome 8, 3, Néhémie chapitre 9, verset 20, Psaume 78, verset 24. Ce sont des écritures qui parlent de la manne. Donc, implicitement, il leur dit que Tatanzambi envoyait du ciel du pain pour son peuple. Ok, au temps de Massa, parce que c'est l'archange Kongo qui est l'exécuteur de Tatanzambi, qui était avec Massa, son exécuteur. C'est lui qui faisait toutes choses au nom de Tatanzambi. Or, ils ne savaient pas qu'ils avaient en face d'eux l'esprit Kongo, l'archange Kongo lui-même manifesté devant eux. Maintenant, regardez ce que, voilà, ce que Isaïe va répondre. Il dit que, Isaïe leur dit, en vérité, je vous le dis, Massa ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Point. Point virgule. Ok? Il dit, Isaïe leur répondit, en vérité, je vous le dis, Massa ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc, Massa ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais d'où venait ce pain-là? Que Massa, alors, ce n'était pas Massa. Mais celui qui les a donnés, on va identifier c'est qui a donné ce pain-là. Donc, on va aller au verset 49 à 52 pour avoir plus, comprendre plus d'un dialogue. On va au 49. On va aller 49 à 52. Voilà, 49 à 52. Ok. Voilà. 49 à 52. Ok. Non, on va commencer à 47 à 52, c'est mieux. On va pour comprendre toujours le contexte. On dit ici, Isaïe leur répondit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Ok? 49, il parle toujours à ce peuple qui lui parle. Écoutez 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Point. Kongo. Il dit à ce peuple, écoutez attentivement, ce peuple qui dialoguait avec lui, dont il a dit, vous vous souvenez tout à l'heure. Il dit ceci, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert, virgule, et ils sont où? Morts. » Point. Ils sont morts. Verset 50. « C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. » Donc, lui, il se définit comme le pain venant du ciel, envoyé par Tatanzambi, afin que quiconque mange ce pain-là ait la vie éternelle. Okay. Verset 51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair, et que je donnerai pour la vie du monde. » Le monde dont il parle, c'est son peuple. Là-dessus, verset 52, là-dessus, maintenant on va définir qui parlait avec ce peuple, on va donner leur identité au verset 52. Là-dessus, les Juifs, c'est-à-dire les Yaoundé, parce que le mot juif n'a pas sa place, c'est Yaoundé. Ok? Disputer avec eux, disons comment peut-il nous donner sa chair à manger? Point d'interrogation. Donc, on a identifié ces interlocuteurs, c'est ce qu'on appelle tout le temps dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les Juifs. Donc, c'est ceux-là qui ont mangé quoi? Le pain qui est descendu du ciel. Parce qu'au verset 49, il dit que vos pères ont mangé la manne dans le désert. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ok? Maintenant, ce peuple-là, dans le nom, il les appelle les Juifs, parce que quand on voit le mot juif ici, on clique ici. Le mot juif donne quoi? Le mot juif donne quoi? On connaît Yehoudah et on donne l'origine de ce mot, vient de l'origine de Yaoundé, vient de Yaoundé. Voilà. On voit l'origine, c'est quoi? C'est en hébreu Yaoundé. Voyez vous-même, c'est Yaoundé. En hébreu, c'est Yaoundé. Yehoudah, Yaoundé. Yaoundé. C'est Yaoundé en langue Kongo. On vous a déjà montré ça, Yaoundé, Yaoundé. C'est le même mot. Ok? Ça vient, l'origine, c'est Yaoundé. En hébreu. Origine hébreu, Yaoundé, Yaoundé. Comme la capitale du Cameroun, Bantu. Hein? Du sud du Cameroun, Bantu. Ok? Donc, salutations à nos frères Yaoundé, Bena Yaoundé, nos frères du Cameroun. Donc, ça vient de Yenda, on vous a déjà expliqué cela. Yaoundé, c'est Yaoundé. Voilà. Donc, les Yaoundé lui répondirent. Donc, ceux qui étaient en train de parler avec lui, c'est là-dessus, les Yaoundé. Au lieu de Juifs, on enlève Yaoundé. Juifs, on met Yaoundé. Donc, les Juifs, les Yaoundé. Il faut savoir que Yaoundé veut dire Judas, hein. C'est la tribu du sud, hein. Ce n'est qu'une tribu, encore, parmi d'autres tribus. Hein. Quand on parle des Juifs, on parle de la tribu du sud. Les gens du sud disputaient avec eux, disputaient entre eux, disant, comment peux-tu nous donner la chair à manger? Donc les Yaoundé là, il faut comprendre mes frères et sœurs, c'est là où ça devient intéressant. Au verset 49, il dit que vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Donc c'est les Yaoundé qui étaient ses interlocuteurs, qui parlaient avec lui, c'est son peuple. C'est Yaoundé. Ok? Donc Yaoundé, maintenant la question qui se pose, ses interlocuteurs étaient des Yaoundé, mais lui-même qui parlait avec eux, qui était-il? Parce qu'il dit que vos pères ont mangé dans le désert. Mais de quelle tribu était-il? Ok? Donc, pour cela, on va aller dans une autre écriture, parce qu'il parlait avec les Yaoundé. Maintenant, on va voir lui-même de quelle origine il venait. Il est né dans une famille, quand même. Et de quel peuple sa famille venait? Hébreu chapitre 7, verset 13 et 14. Hébreu 7, verset... Donc, on va aller dans Hébreu chapitre 7, verset 14, que dit le commun, de quel peuple, de quelle tribu est issu, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Yaoundé, de Juda, tribu dont Massa n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc il est sorti de Juda, on va cliquer Juda ici, vous allez voir c'est toujours le mot Yaoundé, donc Juda. Ça vient de quoi? Yaoundé. Toujours Yaoundé, Yehoudah, Yaoundé, Yehoudah. Donc toujours Juda, Yaoundé, ça toujours Yaoundé. Toujours Yaoundé. Ça revient toujours au même mot, Yaoundé. Donc lui-même, il était issu de cette tribu Juda. Donc quand vous voyez juif, voilà quoi, ça indique juste la tribu de Juda, Yaoundé, Kongo. Donc, on a compris que Isaïe nous a dit que vos pères ont mangé la manne dans le désert. Maintenant, on va essayer d'identifier ce peuple dont il parlait avec aujourd'hui. Où sont-ils et qui sont-ils aujourd'hui? Donc, Jean chapitre 6, verset 49, dit quoi? Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. Donc on va identifier qui sont, de qui parle-t-il ici et où sont ce peuple-là aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui va nous interpeller, c'est que ce peuple-là parlait un langage particulier qui s'appelle le paléo-hébreu. Dans beaucoup de circonstances, à cause de la colonisation de l'oppression, tout ça comme ça, ils ont été dispersés dans beaucoup d'empires, notamment l'empire égyptien, Kemet. Ils ont été esclaves en Égypte. Donc on retrouvera dans leur vocabulaire des mots des Ouest-Africains, des anciens Égyptiens. Ils ont été captifs en Babylonie et dans la Perse antique. Donc on trouvera des mots de ces empires-là dans leur langage. Dans l'empire assyrien, on trouvera le langage de ces empires-là dans leur langage. Et sous la domination gréco-romaine, on trouvera dans leur vocabulaire des mots gréco-romains. Mais toujours est-il que la racine de leur langage demeure le même, demeure la même, c'est-à-dire le paléo-hébreu qui constitue la souche de leur quotidien, de leur langage. Et c'est grâce à ce langage-là qu'on va essayer d'identifier où est ce peuple-là. Ce peuple qui parlait avec le Messie. C'est-à-dire, on vous a défini déjà le nom Messie hein, dans nos vidéos. Maintenant, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans l'Ancien Testament parce qu'ils ont dit que vos pères ont mangé la manne. Et il y a plusieurs écritures qui parlent de ça dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 16, Deutéronome chapitre 8, verset 3, Nombre chapitre 11, Néhémie chapitre 9 à 20. Vous avez même Psaume chapitre 78, verset 24, qui parle de cet événement-là, de la manne cachée. De la manne plutôt, voilà quoi. Et on voit qu'il y a beaucoup d'églises qui se réveillent ici, oh la manne cachée, tout ça comme ça. Mais ce peuple-là est connu. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va aller dans les Écritures, on va aller voir que ce qu'est la manne. C'est quoi la manne? Ok? La manne, on va chercher c'est quoi? On va aller dans Exode chapitre 16 hein, pour découvrir la manne. Maintenant, on va aller Exode chapitre 16, on va commencer à partir du verset 14. Prenez note, c'est intéressant. Exode chapitre 16, verset 14. Voilà. Vous êtes prêts? Ceux qui ne sont pas prêts qui me disent. Ok. Donc on va commencer à partir du verset 11. Exode chapitre 16 à partir du verset 11. Et puis on va dérouler jusqu'au 14. Pour avoir un peu plus de contexte. Donc ce qu'il faut comprendre, je vais vous résumer un peu. Les enfants du Solélé avaient faim dans le désert. Donc ils réclamaient à manger quoi. Ok. Donc voilà. Donc ici on dit Yakongo s'adressant à Massa. Donc c'est Yakongo qui était l'exécuteur de Tatanzambi, qui a été envoyé auprès de Massa. Tatanzambi a envoyé l'archange Kongo pour accompagner Massa tout au long jusqu'à conquérir la terre du Solélé. Donc tout au long de ce parcours, c'est l'archange Kongo qui est avec Massa. Donc on dit ici, l'archange Kongo s'adressant à Massa dit « J'ai entendu les murmures des enfants d'Isolélé, Isolélé. Dis-leur entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Vous saurez que je suis Yakongo, votre juge. Le mot Dieu n'a pas sa place ici, c'est juge, votre juge. Donc le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme des grains. Donc, qu'est-ce qu'il remarqua? Il y avait une rosée. Après la fin de la rosée, on voit qu'il y avait au sol des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants du Solélé regardèrent et ils dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Massa leur dit, c'est le pain que l'Éternel, c'est-à-dire que Yakongo vous donne pour nourriture. Donc on voit que ce qu'on nous dit ici, que après cette rosée, quelque chose est tombé du ciel. C'était des grains, des grains. On dit bien que des grains, ça avait la forme comme des grains. Maintenant, ces grains-là, c'est ce qu'on appelait la manne. Donc les enfants du Solélé interrogèrent Massa, et Massa leur dit que Yakongo vous donne pour nourriture ces grains-là. Voici ce que Yakongo a ordonné que chacun de vous en ramasse. Donc ils doivent ramasser ces grains-là de ce qu'il faut pour sa nourriture. Donc, un omer par teinte, un omer, c'est l'unité de mesure. Hein. de ce temps-là, par tête, suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Verset 17, les Israélites firent ainsi, ils en ramassèrent les uns plus, d'autres moins. En mesurant ensuite d'omer, l'unité de mesure, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, celui qui en ramassait moins n'en manquait pas. Donc on voit que ce qu'il ramassait c'était comme des grains, quoi. Maintenant on va aller au verset 31 plutôt, pour connaître c'est quoi. Donc on dit ici au verset 31, la maison du Solélé donna à cette nourriture, c'est-à-dire les grains. Souvenez-vous, on a bien dit au verset 14 que c'était des grains. Donc, donna à cette nourriture, elle ressemblait à quoi? De la graine. Retenez bien, de la graine de coriandre. Toujours les grains, la graine de coriandre, elle était blanche et avait le goût d'un gâteau. Donc, ces grains-là ressemblaient à la graine de coriandre. Ok? La graine de coriandre, elle avait le goût d'un gâteau au miel. Donc maintenant, ce qu'on va voir, on va prendre le mot manne là pour connaître quelle est la définition. C'est quoi la manne qui ressemble à un grain? Maintenant, ici, Edom nous dit que la manne, le pain du ciel qui a nourri les enfants d'Israël pendant 40 ans au désert, veut dire qu'est-ce que cela? Donc on nous dit que ça veut dire qu'est-ce que cela? Point. Donc apparemment, Edom donne sa définition, il dit que ça veut dire qu'est-ce que cela? Point d'interrogation, quoi. Donc, mot associé à man, on dit qu'est-ce que cela? Ça veut dire qu'est-ce que cela? Donc, on va prendre la référence, c'est 44,78. On va prendre 44,78. Ok. Voilà. 44,78. Donc, ici, nous sommes dans Lueur biblique, que nous aimons bien. Lueur biblique, on va voir la manne, on définit toujours comme qu'est-ce que cela. Ok? Maintenant, la manne s'écrit comment? Strong Concordance, vous avez le même, en paléo-hébreu le même. Ok, donc nous sommes ici en paléo-hébreu, nous avons le paléo, vous avez le même qui a le son du M. Et vous avez le même ici, ça c'est le paléo-hébreu. Ok, le même c'est ça. Le même, c'est ça que vous voyez là. Ça a la forme du M. Et vous avez à la fin le Noun, le N. Ça a la forme de train en hébreu syrien, à la fin quoi. Et vous avez le Noun ici, c'est le N. Donc ça donne un son biphonique M-N, M-N, M-N. C'est pourquoi ici... En l'occurrence, on a traduit man, M-N, man, le son biphonique M-N. Retenez bien, le son biphonique M-N. D'habitude, la consonne finale ne se prononce pas. Maintenant, ici, en l'occurrence, elle va se prononcer. C'est pourquoi je vous dis que dans toute règle, il y a toujours des exceptions. Ce n'est pas parce que vous avez maï, avec ces écrits maïm, que vous allez prononcer tous les mots sans consonne finale. Ok, mais là en l'occurrence ça va se prononcer le noun, c'est-à-dire le N. Le noun c'est dit le N. Vous avez le même et le N, M-N. Donc ça donne un son biphonique, un M-N. Ok, M-N. Maintenant en l'occurrence ici, Edom a ajouté le dagesh ici, sur train qui donne le dagesh qui donne le voyelle A. Donc, c'est pourquoi il a traduit man. Man, man. OK? OK, man. Il dit que ça veut dire qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela? C'est dans la définition. Mais nous, ce qu'on va faire, on va aller prendre, pour connaître la définition de ce mot, on va aller prendre la Bible de 1611. Donc, King James 1611. Ça veut dire King James Version. Donc, nous allons aller dans King James Version 1611. Donc, nous sommes au 17e ici, 17e siècle. On va aller dans King James 1611 voir Exode chapitre 16, verset qui va nous donner l'explication. L'explication de ce mot-là. Parce que nous allons aller dans Exode, plusieurs versions aussi. Exode chapitre 16, verset 31 va vous donner la définition. En fait, la définition de ce mot est donnée dans la Bible elle-même. On n'a pas besoin d'aller voir Edom pour nous dire Edom, qu'est-ce que ça veut dire. Mais la Bible, le commun, donne la définition de la manne. 1611. Ok, 1611, comme on dit, 1611. 1611, 1611. On va prendre 31. On va prendre Exode chapitre 16, verset 31. Prenez note, hein, c'est important. Moi, voilà. Donc, on va voir la définition au verset 31. On dit ceci, the house of Israel called the name thereof manna. Donc, il donna le nom de ce produit-là, de ces graines-là. Souvenez-vous, c'est des grains, hein, des graines qui tombaient. Hein? Il donna le nom manna. Maintenant, regardez l'explication, les deux points. C'est pourquoi je vous disais les deux points. Les deux points là indiquent quoi? Vous voyez, dans 1611, on met les deux points pour expliquer c'est quoi la manne. Regardez, les deux points superposés veut dire quoi? On dit ici, signe de ponctuation formé de deux points superposés, servant à introduire quoi? Une explication, énumération ou une citation. Donc, ça peut donner une explication, une énumération ou une citation. OK? Mais là, en l'occurrence, ça donne une explication parce qu'on cherche à dire ce que veut dire la chose. Donc, ça donne une explication. Les deux points indiquent une explication. Quand on voit explication, ça veut dire quoi? Explication veut dire quoi, mes frères et sœurs? Ça veut dire définition. Explication, synonyme veut dire quoi? Définition. Donc ici, on nous donne la définition de la manne. On va nous dire que ce qu'est la manne. Ok? C'est pourquoi dans la version française, vous allez voir que c'est la même chose. Donc on va nous donner deux points, indique quoi? L'explication. Dans d'autres versions, on ne donne pas les deux points. Mais ici, en l'occurrence, on donne les deux points pour donner l'explication de ce que la manne veut dire. And it was like, c'est-à-dire on donne like, ça veut dire une comparaison, quoi. Une comparaison à coriander seed, c'est-à-dire les graines de coriandre. Et c'est la même explication qu'on donne ici. Même explication qu'on donne ici. Voilà. Verset 31, on dit ici, la maison du Solélé donna à cette manne, normalement au lieu de points, si ça devait être deux points, elle ressemblait à la graine de coriandre, la graine de coriandre. Ok, elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Donc elle avait le goût d'un gâteau au miel. C'était des graines qui ressemblaient à un gâteau au miel. Ça avait un goût particulier, quoi. Un gâteau au miel, c'était très bon pour ceux qui mangeaient ça, quoi. Donc c'est comme les graines de coriandre. Donc on a cherché. Donc ici on définit coriandre seed. Hein. Coriandre seed, ça veut dire graines de coriandre. Bon, graines de coriandre, bon, enfin, on regarde ici graines de coriandre, on a mis sur Google. Donc vous pouvez voir les graines de coriandre. Hein. C'est comme un peu les trucs de poivre là. Vous voyez un peu ceux qui mangent un peu les poivres pour poivrer, quoi. Ça y ressemble un peu. C'est une plante méditerranéenne. Hein. Voilà, donc voilà, graines de coriandre, vous voyez les coriandres, c'est ça. Voilà. Si vous voyez sur Wikipédia, coriandre, c'est une plante. Hein. On va voir rapidement. On va voir coriandre. Voilà, coriandre, c'est ça. Voilà. Donc c'est la plante de coriandre qui donne les graines là. Coriandre. On dit quoi? Coriandre est une espèce de plante herbacée annuelle de la famille d'Abiacées. C'est une plante aromatique cultivée dans les zones tempérées, hein, du monde entier, employée pour de nombreuses préparations culinaires, particulièrement en Asie, en Amérique latine, dans les cuisines méditerranéennes. Les feuilles sont également utilisées fraîches comme accompagnement aux condiments. On ne dit pas que c'est des graines de coriandre. Elle ressemblait à des graines de coriandre. Il faut pas se tromper. Hein. Parce qu'ici, il faut lire les Écritures. On ne dit pas que c'était des graines de coriandre, mais elles ressemblaient à des graines de coriandre. OK? Donc, c'est pourquoi on a mis sur Google pour que vous voyez vous-même à quoi ressemblent les graines de coriandre. C'était pas des graines de coriandre, mais ça y ressemblait. Donc on voit c'était des graines comme ça, c'est ce qu'on appelle la manne. La manne que nos pères ont mangée, que Isaïe a dit à ses interlocuteurs, les Bena Yaoundé, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ok? Dans Yokana, Jean chapitre 6, verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Jean chapitre 6, verset 31 dit que ils ont dit eux-mêmes que nos pères ont mangé la manne dans le désert. Et les Yaoundé, là, il a confirmé que lui-même, il dit ça, a confirmé que c'est vrai. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Vos pères. Mais qui étaient ces gens-là? Et il a dit que vos pères, certes, ils ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Ok, ils sont morts. Maintenant, à quoi ressemblait cette manne? Cette manne ressemblait à des graines de coriandre. Graines de coriandre. C'était pas des graines de coriandre, mais elles ressemblaient à des graines de coriandre. Croyez-moi, il faut bien comprendre les mots. Ressembler, ça veut pas dire la même chose. Ça veut pas dire que c'était ça, mais ça y ressemblait. Donc, ici, vous avez sur Wikipédia des graines de coriandre. OK? Donc, on va cliquer un petit peu. Voilà. Graines de coriandre, on va cliquer là. Donc, vous avez graines de coriandre. Vous voyez, c'était des petites graines. Des graines de coriandre. Donc, vous avez ici, voilà, graines de coriandre. Vous voyez, on essaie d'extirper cela. Vous voyez, graines de coriandre, c'est ça. C'est comme un peu les graines de poivre. Hein. Si vous avez des trucs de poivre, là, ça y ressemble. Là. Donc, vous voyez, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, c'est ça la manne que... Voilà, c'était pas le pain venu du ciel comme on montre dans d'autres... Voilà, c'était juste des graines. Et ça leur servait, ces graines-là permettaient que... Il fallait les cuire, il fallait les rassembler, les conserver, ça se conservait selon Exode chapitre 16, verset 32, ça se conservait. Et ils en faisaient le pain avec, selon Exode chapitre 16, verset 15. Donc ça servait à faire du pain, ok? Ça servait à faire des préparations aussi. Donc c'est les graines-là qu'ils ramassaient pour faire après les... Donc, Yakongo, l'archange Kongo n'a pas apporté un menu tout fait dans le ciel que voilà, manger directement. Donc il les a apporté des choses et quitte à eux de préparer, de faire des gâteaux avec, de voilà quoi. Est-ce que vous comprenez? Ok? Donc ça servait à plusieurs choses, voilà quoi. Donc c'était à eux de s'en servir parce qu'on va aller dans Nombre chapitre 11, verset 7 à 8. On va aller Nombre chapitre 11, verset 7 à 8. Alors, Nombre chapitre 11, verset 7 à 8. Pour avoir un peu plus d'explications. Voilà. Nombre chapitre 7. Donc, le jour de Samba, c'était pas... Tatanzambi ne les envoyait pas le jour de Samba. C'était les jours hors Saba. Nombre chapitre... Voilà. Nombre chapitre 11, versets 7 à 8. On dit que la manne ressemblait à de la graine de coriandre. On rappelle encore que c'est la ressemblance. C'était pas la graine de coriandre, mais ça ressemblait à la graine de coriandre. Et elle avait l'apparence du bédélium. Elle avait l'apparence du bédélium. Je sais pas le bédélium ici, c'est quoi? On va aller voir c'est quoi un bédélium. On va mettre sur Wikipédia. On va découvrir avec vous. Hein. Bédélium, c'est quoi? Donc, c'était une graine. Souvenez-vous, hein, c'était des graines. Hein, des graines, voilà. Voilà. Bédélium. Voilà. Bédélium. Voilà. Bédélium. Ok. Bédélium, c'est ça. Wikipédia. On va aller sur Wikipédia pour voir Bédélium. Voilà, Bédélium, c'est ça. Vous voyez, Bédélium, c'est ça. Donc, c'était des graines qui ressemblaient à Bédélium, qui étaient marron, qui sortaient marron. Voilà, Bédélium. Voilà, Bédélium. On va prendre la française, ça c'est Bédélium. On va prendre en français. Bédélium. Donc, c'est ça le Bédélium. Voilà. C'est une gomme de résine, voilà, on en trouve en Afrique, on en trouve en Inde, en Arabie Saoudite, en Arabie, route commerciale du Levant, les botanistes ont longtemps, la nature de l'arbre, voilà quoi. Ça y ressemble. Donc, l'apparence, c'est de graines. Et puis, voilà, ça y ressemble à ça. Bédélium, donc c'est quelque chose de marron, comme ça. Marron brillant, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le bédélium. Donc, on nous dit ici, on reprend dans Nombre, chapitre 11, versets 6 à 7. On dit ceci que maintenant, notre âme est desséchée, tout ça comme ça. Donc, la manne ressemblait à de la graine. Donc, de la graine de coriandre et avait l'apparence du bédélium. Donc, ça ressemblait à de la graine. Donc, c'était comme la graine. Retenez bien graine. Et l'apparence, c'était comme le bédélium. Donc, c'était marron. Marron. Il faut voir marron. Marron sombre. Pas clair. OK? Donc, le peuple se dispersait pour ramasser. Il la broyait avec le meule ou la pilait dans un mortier. Donc on pilait cela comme dans un mortier. Comme vous voyez en Afrique, hein, on pile dans un mortier pour que ce soit poudré. Hein? Donc, ce soit poudré. Donc, on voit qu'il fallait un effort de votre part pour cuisiner à votre sauce. Donc, vous pouvez en faire du pain, du maïs. Donc, la manne, ce n'était pas quelque chose qui vient du ciel et que les enfants d'Israël mangent. Non, non, non. C'était des graines qui sont tombées. Maintenant, quitte à eux de préparer avec leur façon de faire des plats à leur sauce. Donc, c'est comme si on vous donne des graines. Mais ce n'est pas Tatanzambi qui va vous faire du pain qui viendra du ciel et que vous mangerez, mes frères et sœurs. Donc, il ne faut pas se tromper. Ce n'était pas ça la manne. Donc, c'était des graines. C'était comme des graines de coriandre. C'était des graines qui tombaient. Donc, c'est ça la définition de la manne. C'est des graines. C'est des graines qui ressemblaient à... C'est des graines qui avaient l'aspect du bédélium. Bédélium qui était en marron sombre. Donc, c'est ça la définition qu'on nous donne ici de la Bible. C'est pas comme Edom qui dit que qu'est-ce que cela, qui définit cela, qu'est-ce que cela. Or, la Bible définit la manne, comme vous voyez en version anglaise, on dit ceci, « And the house of Israel called the name of thereof manna », c'est-à-dire, il donna le nom de ce produit, manna, et puis on donne deux points qui donnent une explication, parce qu'ils appelaient, c'est-à-dire, quand on appelle quelque chose, c'est l'explication qui s'en suit, la définition. Or, explication veut dire quoi? Définition, on vient de le voir. Définition, on peut enlever ce deux points-là pour dire « because ». On peut mettre ça « because », c'est-à-dire « parce que ». OK? « It was like », c'est-à-dire que ça ressemblait à la graine de coriandre. « Seed », ça veut dire « graine de coriandre »,« coriander seed ». Et on a vu la graine de coriandre ressemble à quoi? La graine de coriandre ressemble à ça et c'est effectivement marron. Vous voyez, c'est comme marron, comme du bédélium, c'est marron. Voilà, la graine de coriandre aussi, c'est marron. Donc, en un mot, ça ressemble à cette graine, mais de couleur marron. Est-ce que vous commencez à comprendre, bien aimés frères et sœurs? Nous sommes bien d'accord. Donc, c'est ça la définition de la manne, ce qu'on appelle la manne. Donc, maintenant... Ce qui est important. À quoi servait cette manne? Ça servait à préparer, à faire des gâteaux. Donc ici, on apprend que cette manne, la manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bédélium, c'est-à-dire que ça ressemblait au marron, quelque chose de marron. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Donc il fallait qu'il ramassait, il devait ramasser, ça tombait du ciel. Donc ça tombait, c'était des graines qui tombaient. Et il fallait ramasser ça, mettre dans, voilà quoi, mettre dans les sacs. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait? Il la broyait avec des meules. Donc, il y avait des meules pour broyer cela, ou la pilait. Donc, on pilait avec des mortiers, comme en Afrique, on pilait. Donc, on pilait cela et la cuisait. Donc, la cuisait, il fallait cuire cela au pot. On faisait des gâteaux. Donc, il fallait cuire cela. Et pour en faire quoi? Des gâteaux. Là, on cuire et on faire des gâteaux. Donc, vous voyez que là, on n'est pas en face d'un menu venu du ciel, déjà cuit par des cuisiniers qui sont au ciel. Voilà, manger. Non, 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 non. C'est-à-dire que Yakongo a envoyé des graines. Maintenant, ces graines-là, donc il fallait les moudre. Il fallait moudre ces graines, il fallait mettre ça dans le kitutoulou. Vous voyez le kitutoulou en Afrique, pour moudre cette graine, pour que ça devienne comme de la pâte. Ok? Vous comprenez? Moudre cette graine. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Ils faisaient des gâteaux avec ça. Elles avaient un goût de gâteau à l'huile. Ok? Donc, quand la rosée est descendue la nuit, sur le champ, la manne y descendait aussi. Donc, quand la rosée descendait, quand il pleuvait, et en même temps, il y avait les graines qui tombaient du ciel. Et le matin, il faisait que ramasser. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, c'est ce que l'archange Kongo a donné à son peuple. Et ce récit est raconté notamment dans beaucoup de passages bibliques. Exode chapitre 16, encore Exode chapitre 16, Nombre chapitre, Deutéronome chapitre 8 verset 3, on parle aussi, on va aller dans Deutéronome chapitre 8 verset 3, on parle. Donc, oh voilà, on va aller Deutéronome chapitre 8 verset 3. Donc, cette manne-là est liée avec l'histoire du peuple du Dieu vivant. Voilà. Deutéronome chapitre 8 verset 3, on parle aussi. Deutéronome chapitre 8 verset 3. Donc, on dit ici que « Toi de tout le chemin que Yakongo, ton juge, t'a fait faire pendant ces 40 ans années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. » Verset 3, « Il t'a humilié, t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Tatanzambi. » Donc, vous voyez que la manne a été envoyée au peuple pour nourrir le peuple. Quel peuple? Le peuple qui était en dialogue avec Isaïe, dont les pères, selon Jean chapitre 6, verset 49, avaient mangé de cette manne. Maintenant, la question qui se pose, quand Isaïe reviendra, où sera son peuple? Sophonie chapitre 3, verset 8 à 20 nous dit que son peuple sera dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7 nous dit que son peuple sera dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Maintenant, allons voir ce peuple-là. Est-ce qu'on trouve toujours ce mot-là, man? C'est-à-dire le MN, le son biphonique MN. Au lieu de man, on peut dire man ou autre chose. Maintenant, en cherchant dans le dictionnaire Kikongo, on va chercher quel mot qui est relatif à la définition de la manne. Souvenez-vous de la définition de la manne. Que dit la définition de la manne, c'est quoi? La manne, ça veut dire... C'est-à-dire une nourriture qui ressemble à la graine de coriandre et qui a l'apparence du bédélium qu'on a vu. Donc, une nourriture qui ressemble à la graine de coriandre. Maintenant, on va chercher c'est quoi la graine en langue Kongo. La graine en langue Kongo. Est-ce que ce mot est relatif à la manne, c'est-à-dire au son biphonique MN? C'est ça que vous devez comprendre, mes frères et sœurs qui sont ici présents. Parce qu'il faut savoir que la manne, ça veut dire quoi en langue Kongo? Allons dans le dictionnaire Kikongo. Quand on va dans le dictionnaire Kikongo, on a le mot Meni. qui vient de quoi? De Mena. Qui veut dire quoi? Graine. Kongo. Mena. Meni qui vient de quel mot? De, qui vient de Mena. Qui veut dire quoi? Graine qui germe dans la maison ou ailleurs. Blé germé. Ça veut dire aussi blé germé. Vous savez, Mena veut dire aussi en langue Congo, ça veut dire croître. Hein? Si vous allez Mena, ça veut dire croître. Croître. Quand vous voyez Mena en langue Congo, on va prendre. Donc, pourquoi germe? Parce qu'il faut savoir, Mena veut dire en langue Congo, germer, pousser, croître, grandir, prospérer, en l'occurrence avec les plantes. Hein. Mena, c'est-à-dire, par exemple, quand tu fais le bilanga, tu te rends compte que, ah, voilà quoi, tu dis que, voilà, souvent en Kituba, on utilise beaucoup ce mot-là, Mena. Oh, en Kituba, on dit que, Mumekunda, Mekunda, Bimyamunu, Yamemena. Yamemena, Mena, ça veut dire ça pousser quoi, ça accroître. Ça veut dire croître, pousser, germer quoi. Ça grandit quoi. Ok? Mena, ça veut dire grandir, voilà quoi, en langue Kikongo, en langue Kongo. Ça veut dire aussi graine, hein, Mena. Donc vous avez le son biphonique MN. MN, vous voyez, MN, c'est le même son que qui donne, au lieu de mana, ça se prononçait Mena. Est-ce que vous commencez à comprendre la différence? Mena. Donc, Mena veut dire germer, ça veut dire croître. Mena veut dire c'est germer, pousser, croître, grandir pour en ce qui concerne les plantes. Ok? Mena veut dire aussi en langue Congo, comme vous pouvez le voir ici, ça veut dire graine, hein? Graine, graine, graine qui germe. Hein? On va essayer d'augmenter un petit peu. Bon, est-ce qu'on peut augmenter pour ceux qui ne peuvent pas voir? Alors, on va zoomer un petit peu, hein? Plus, voilà, plus, on va zoomer, voilà. Donc, vous avez le mot, Kikongo ici, Mena, donc, Memeni, Memeni qui veut dire graine, ça vient de quoi? Ça vient de Mena, qui veut dire graine. Mena veut dire graine, germe, dans la maison ou ailleurs. Donc, vous pouvez dire Memeni ou Mena, ça veut dire graine. Graine, graine, quoi, graine qui germe. Donc, on revient encore ici dans le coma de Bankaka. Donc, au lieu de dire man, man, ça se prononçait Mena. Pourquoi? Parce que c'était des graines. C'était des graines, comme on le dit ici dans la définition. La maison du Solélé donna à cette nourriture qui est la manne. Au lieu de dire man, c'était Mena. Elle ressemblait à de la graine. C'est parce qu'elle ressemblait à de la graine qu'on appelait cette nourriture Mena. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? C'est pourquoi je vous ai dit que cette vidéo est un miracle. Cette vidéo est un miracle. C'est l'archange Kongo qui vous l'a inspiré. Ça ne vient pas de Yantiba. J'avais le projet de faire une autre vidéo hautement spirituelle que on fera plus tard. Hautement spirituelle, une vidéo hautement spirituelle, mais l'esprit Congo a tout à coup changé les plans. Il a dit vas-y dans ça. Et je suis allé dans ça et j'ai vu, oh, mais c'était ça, le peuple de la manne. C'est qui le peuple de la manne? En fait, c'est le même peuple qui est toujours dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est les Bena Yankaba. Bena Yankaba. Quand on vous dit que le peuple Bantu, c'est le peuple de Yankaba. Mais pourquoi ce vocabulaire s'attache beaucoup aux langues Congo? Parce qu'il faut savoir que les Congo étaient les leaders de ce peuple. Le leader de ce peuple, c'était les Lévites. C'était la tribu de Yaoundé. Dans la tribu de Yaoundé, vous avez plusieurs aspects. Vous avez la force, la gentillesse, vous avez l'armée avec les Balouba qui sont la force de la tribu de Juda, c'est-à-dire les guerriers. Vous avez les prêtres, toujours dans la tribu de Juda. Dans la tribu de Juda, vous avez les tribus du sud, quoi. Vous avez les prêtres, les Lévites, Benjamin. Vous avez la compassion avec Benjamin. Vous avez l'esprit avec les Lévites. Et vous avez la force avec l'armée, l'armée de David, l'armée de Juda. Donc vous avez ce composite-là qui constitue la tribu qu'on appelle la tribu du sud, les Bena Yaoundé. Ok? Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est ça le miracle. Est-ce que vous commencez à voir le lien? Donc, le peuple qui était dans le désert, où sont-ils? C'est le peuple que l'armée du Vatican, l'armée des jésuites du Vatican, menée par Abbé Proyard, qui sont allés au-delà du fleuve de l'Éthiopie, là où les cartographes Guillaume de Lisle avait dit qu'il y a 12 tribus là-bas. Ils sont allés, ils ont découvert c'est ce peuple qui parle le paléo-hébreu, le hébreu ancien. Le peuple de la manne, qui a mangé de la manne, c'est ce peuple qui porte le même nom. La manne, c'était pas manne, c'était Mena. Et la manne voulait dire quoi? La définition de la manne, c'est quoi? Ça veut dire la graine, de seed. Ah, pourquoi? Parce que ça ressemblait à la graine de coriandre. Et son apparence, comme on vient de le voir, le Nombre, chapitre 11. Nombre, chapitre 11. On revient dans Nombre, chapitre 11. Nombre, chapitre 11, verset 7, dit quoi? La manne ressemblait à la graine de coriandre et avait l'apparence du bédélium, c'est-à-dire qu'elle était marron. Marron sombre. Et on a vu cette graine-là, c'est ça. Marion sont la graine de coriandre. Puisque la définition, selon l'ancienne Bible, la manne se définit comment? Comme la graine. Comme la graine de cidre. Ok? Et on a vu que la manne qui se définit comme la graine, selon le coma. Et on a cherché à voir est-ce que le peuple, comment le peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie appelle la graine. Ce n'est pas une coïncidence. Comment ils appellent la graine, le peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie? Ils appellent la graine Mena. Mena ou Memeni. Memeni ou Mena. Ça veut dire graine qui germe dans la maison ou ailleurs, hors de la maison. C'est la graine. Et on a vu que Mena, ça veut dire aussi une graine qui prend de la croissance. Quand la graine croît, c'est-à-dire quand ça germe, ça s'appelle aussi Mena. Pousser, croître, grandir, prospérer, c'est toujours Mena. Quand une plante pousse, quand une graine pousse, produit quelque chose, produire, c'est toujours la graine. Ok? Mena, toujours Mena. Donc, la manne ne se disait pas manne, ça se disait Mena. Ça se disait Mena, et c'est le peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. C'est ce peuple-là qui dialoguait avec Isaïe dans Yokana chapitre 6. Vous voyez. C'est ce peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie qui était en dialogue avec Isaïe dans Jean chapitre 6. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est ce peuple-là qui s'appelle Yaoundé. C'est ce peuple-là qui a livré Isaïe aux mains de Romains, Édomites. C'est pourquoi il souffre. C'est pourquoi ce peuple souffre. Ils ont rejeté le roi. Est-ce que vous commencez à comprendre? Est-ce que vous commencez à comprendre? On va terminer avec une écriture, ok, qui est un espoir pour chacun de vous. Pour que vous compreniez un peu l'importance de ce peuple, on va aller dans Actes chapitre. On va prendre Actes. des apôtres. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Ne vous faites pas d'illusions. Il y a une chose que vous devez comprendre dans Actes chapitre 5, verset 29. Actes chapitre 5, verset 29. Que dit le commun? Écoutez attentivement. Alors, Actes chapitre 5, verset... Écoutez la parole de Pierre, l'apôtre. Pierre et les apôtres répondirent. Nous sommes dans Actes chapitre 5, verset 29. On va aller jusqu'à 31. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Tatanzambi plutôt qu'aux hommes. Point. C'est ce que moi, je vous dis aujourd'hui. Ne cherchez pas à obéir à moi, ni à aucun ange venu du ciel, s'il n'est envoyé par Tatanzambi. Et comment reconnaître une personne qui est envoyée par Tatanzambi? Il doit enseigner le Thiyadi. Je vous l'ai dit, il doit être désintéressé par l'argent. Il doit enseigner la repentance. Il doit enseigner la loi de Tatanzambi. Et lui-même aussi doit marcher selon la loi de Tatanzambi. Il doit enseigner la crainte de Tatanzambi, c'est-à-dire la haine du mal. S'il n'enseigne pas ces choses, fouillez-le. Je vous le dis, fouillez-le. S'il enseigne l'amour de l'argent, fouillez-le. S'il vend des livres, fouillez-le. Car tout est gratuit. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 10. Gratuitement vous avez reçu, gratuitement donné. Proverbe 23, 23, la vérité ne se vend pas. Et si vous avez des vidéos là, on commence à faire des pubs sur YouTube. C'est la cupidité. Si vous voyez quelqu'un qui vous demande l'argent, on ne demande pas l'argent à un peuple pauvre. L'esprit Kongo dit que je connais ta pauvreté et tes tribulations. Deutéronome, Apocalypse chapitre 2, verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Nous parlons de ce peuple. Et les calomnies, c'est-à-dire les blasphèmes de ceux qui se disent Yaoundé mais ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Son peuple est pauvre. On ne demandera jamais de l'argent à un pauvre. C'est une abomination. Si notre Dieu est riche, tout ce qui existe lui appartient. Pourquoi nous aiderait-il pas? Regardez le prophète Élie. Élie n'avait pas de travail, mais Yakongo a nourri Élie, le prophète. Il l'a nourri. Il ne l'a pas abandonné. Donc, c'est pourquoi je vous dis que quand vous faites quelque chose avec amour pour Tatanzambi, Tatanzambi vous révèle les choses cachées. Quand vous vous consacrez à Tatanzambi, Tatanzambi se consacrera pour vous. Si vous faites la justice, vous enseignez la justice et que vous-même vous pratiquez la justice viendra vers vous. Mais si vous êtes injuste, pratiquez l'injustice. Et vous-même, vous êtes injuste, l'injustice viendra vers vous. Voilà, c'est les principes de la vie. Vous faites le mal, vous récolterez le mal. Ne vous souciez pas de tout ce qui se passe, de tout ce que vous voyez, Edom en train de souffrir, tout ça comme ça. Les choses vont s'empirer. C'est ça quand un empire est en train de perdre son royaume. Quand le pouvoir s'échappe. Quand Yakongo abandonne un empire, l'écroulement est en train de se faire. La fin est proche. Mais vous, mon peuple, peuple du Dieu vivant, vous êtes le peuple qui a mangé le Mena. Pas la manne, c'est le Mena, la graine, les graines que vous ramassez vos pères. nos pères ramassaient cette graine-là, ces graines-là pour en faire des pains, des gâteaux, tout ça. C'était des graines qui tombaient du ciel, qui ressemblaient à des graines de coriandre, qui avaient l'apparence du bédélium, c'est-à-dire qui était marron. C'était des graines, la manne. La manne, c'est des graines. C'était que des graines. Et les graines en langue congo, c'est toujours le son biphonique MN, Mena. C'est ça, ça veut dire Mena. C'est la graine. Est-ce que c'est une coïncidence? Je vous pose la question. Vous croyez que c'est une coïncidence que le peuple du Dieu vivant utilisait ce même mot, Mena? Et en hébreu, en paléo-hébreu, c'est toujours le MN, Mena. Vous croyez que c'est une coïncidence, mes frères et sœurs? Est-ce que vous croyez que c'est une coïncidence? En japonais, c'est pareil. La graine, c'est pareil. En japonais. Allez demander les tribus en Afrique de l'Ouest comment ils appellent la graine. Vous croyez que c'est pareil? Hein? Allez chez les Arabes. Vous croyez que c'est pareil? Mais pourquoi ce mot se retrouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, le peuple que Dieu lui-même dit que me disperser? Vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi dormez-vous? On vous dit relayez nos vidéos, mais vous dormez. Partagez nos vidéos, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous avez abandonné Dieu. Vous avez abandonné Tatanzambi. Il vous abandonnera. Vous cherchez la récompense. Qu'est-ce qui est plus important? Je vais vous dire, avant de terminer cette vidéo, je vais vous donner une parabole. Il y avait un homme qui cherchait à venir en Europe. Voilà quoi. Il vivait en Afrique. Il s'est dit que ma famille souffre tellement, je vais aller en Europe. Pour chercher à travailler, pour nourrir ma famille, parce qu'ici, il n'y a pas de travail. Alors, je vais chercher à faire une inscription dans une école. Si je trouve, voilà, je vais aller en Europe. Alors, il fait une inscription, il a été reçu dans une université, il est allé faire des études. En arrivant en Europe, il fit un songe. Tatanzambi lui dit que voilà, tu es arrivé dans ce lieu, fais attention. Et lui montra des gens en train de brûler tout ça dans un lieu obscur, en train de crier, de brûler comme ça. Et il lui dit encore, il lui dit que si tu fais ce que font ces gens-là ici, tu finiras comme ça. Alors il arriva dans le pays d'Edom, il regarda comme ça, qu'il y avait des gens, des choses qu'il ne voyait pas dans son pays, des choses abominables, des meurtres, du racisme, de la haine. Il entendait toutes sortes de choses. Mais de l'autre côté, il entendait aussi des gens bien, qui partageaient à manger, qui lui donnaient à manger, des Édomites, quoi, qui l'ont hébergé, qui l'ont fait du bien. Mais là, il se posa la question, « Ah, je suis venu dans ce lieu, mais je voudrais travailler pour quelqu'un de riche pour avoir de quoi. » Et là, il vit un homme qui passait à côté. Il a dit, « Oh, mon frère, tu ressembles à un Congolais. Tu es Congolais ?» Il lui dit, « Oh non, je suis du Cameroun. »« Oh, mais tu es un frère. Cameroun, Congo, on se ressemble. Nous sommes des bandes. »« Ah, mais oui, je le sais, je sais. » Mais là, il lui dit, « Mon frère, cet homme lui dit, « Bon, bah, regarde, écoute, je vais te dire une chose. Tu veux être riche. » Il me dit, oh, non, je ne veux pas être riche, mais je veux juste aider ma famille qui est restée au pays. Parce que là, tu vois, je galère, je n'ai pas encore tout. Ben, je galère, donc je rame un peu ça et là. Maintenant, le gars lui dit que voilà, tu sais, si tu travailles pour quelqu'un de plus riche que tous les riches du monde, tu seras aussi riche. Il me dit, mais c'est qui cette personne? Il dit, souviens-toi de Dieu. Si tu travailles pour Dieu, il a tant de richesses que tu seras riche. Mais il lui dit, oh, mais comment je vais travailler pour Dieu? Il dit que si tu tu n'as pas beaucoup de temps, tu vas sur YouTube, tu vois une vidéo qui est bien, tu partages cette vidéo à des gens. Une vidéo qui enseigne quelque chose de bien, c'est-à-dire l'amour du prochain, le Thiyadi. Voilà quoi. Si tu vois que c'est en fonction de ce que la Bible dit, partage cette vidéo, afin que la personne qui va recevoir du peuple de Dieu, de ton peuple, Bantu, si cette personne se repente, tu gagneras quelque chose de grand. Hein, mon frère? Il dit oui, oui. Voilà. Maintenant, le gars le fait, et chaque fois qu'il allait sur YouTube, il regardait une vidéo qui parlait des choses bien, des choses de Dieu, de la justice de Tatanzambi. Il prit cette vidéo, il partageait ces vidéos-là. Il partageait autant de Bantu possible. Il cherche un Bantu. Ah, celui-là est Bantu. Je veux partager cette vidéo. Il partageait. Maintenant, il commençait à remarquer que tout ce qu'il faisait dans la vie réussissait. Les choses réussissaient, les choses s'amélioraient pour lui. Il trouvait un travail, il prie et ça marchait. Et lui-même aussi, il écoutait les vidéos, il mettait en pratique ce qu'on disait. Voilà quoi. Il se repentit, il marchait dans la justice de Tatanzambi. Et tout allait bien dans sa vie. Il était dans le calme. Et Tatanzambi, il avait reçu ce qu'on appelle le Belouka. Le Belouka, la bénédiction, quoi, mes frères et sœurs. Donc, c'est ce que je voudrais conseiller à tous mes frères et sœurs. Si vous n'arrivez pas à faire des vidéos, vous avez honte. Vous êtes timide. Prenez nos vidéos, partagez-les. Prenez les vidéos là où sur YouTube, vous constatez que c'est juste. C'est des vidéos bien. Vous partagez ces vidéos à des Bantus pour que les Bantus soient instruits. Mais faites attention à ceux qui enseignent les mauvaises doctrines. Il faut trier, quoi. Examiner tout, quoi. Selon le commun. Il y en a qui sont des toxiques, malheureusement, sur YouTube, qui sont très toxiques, qui mélangent la parole de Tatanzambi avec l'égyptologie, avec l'islam, avec des traditions qui créent eux-mêmes abracadabra, quoi, parce qu'ils sont perdus, parce que Dieu ne les connaît pas, parce que c'est des gens voués à la mort, à la destruction, quoi. Faites attention, ok, soyez prudents, c'est pourquoi il est conseillé de lire la Bible pour avoir le discernement. La lecture biblique vous donnera le discernement, vous permettra de connaître ce qui est bien, ce qui est de Tatanzambi et ce qui ne l'est pas. C'est comme je vous ai dit, celui qui est de Tatanzambi ne demandera pas l'argent à son peuple pauvre. Voilà. C'est comme une personne qui est là, qui a ses deux jambes, qui marche, et qui demande à une personne handicapée, oh, aide-moi à prendre un verre, alors que lui, il a les deux jambes pour aller prendre un verre de vin, un verre de l'eau, un verre d'eau plutôt. Voilà, il demande à l'handicapé qui est là de se déplacer pour lui, quoi. Alors que lui, il peut marcher, quoi. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas le Thiyadi? C'est l'injustice, quand même. Il voit un handicapé qui est kikata. Chez nous, on l'appelle kikata, parce que ça vient du mot kata, qui veut dire couper, quoi. Les jambes coupées, c'était ça à l'origine, le mot. Voilà, lui qui a deux jambes, qui peut marcher, il demande à celui qui est handicapé, parce qu'il y a un verre d'eau à côté, il ne veut pas se déplacer, il demande à l'handicapé, oh, mon frère, est-ce que tu peux me prendre un verre d'eau? Mais le frère lui dit, mais toi, tu vois bien que je suis handicapé, je ne peux pas marcher, mais tu me demandes encore d'aller prendre l'eau pour toi, alors que toi, tu as deux jambes, tu peux marcher. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est méchant? C'est d'une extrême méchanceté. Donc, c'est comme celui qui sait que son peuple est pauvre. C'est comme font les pasteurs du dimanche. Son peuple est pauvre. Et le peu qu'il a, il peut aider. Celui qui a de l'argent, il peut aider une famille. La famille, il y a plein de problèmes dans les familles africaines, les familles bantoues. Il y a des oncles, des cousins, il faut les aider tous. Il faut aider ceux que tu peux. Les mamans, les oncles, il faut penser à tout le monde parfois. Avec l'argent que tu as. Mais tu fais des vidéos pour l'amour de Tatanzambi et tu demandes encore l'argent à un peuple pauvre. Que Dieu a dit que je connais ta pauvreté dans Apocalypse chapitre 2, verset 9. C'est comme si tu demandes à un handicapé de te prendre un, alors que toi tu as deux jambes. C'est une extrême méchanceté. C'est méchant ça, mes frères. Je n'arrive pas à concevoir que vous ne voyez pas que vos yeux ne s'ouvrent pas. Regardez. Ouvrez vos yeux, regardez. Ok, mes frères et sœurs. Donc, que Yakongo, que Tatanzambi soit loué, soit glorifié. Et que Yakongo soit honoré. Et que l'Esprit Kongo soit honoré de ce qui nous a révélé cette vérité. La manne veut dire graine, c'est la définition. De la manne, ça veut dire graine qui ressemble à la graine de coriandre. Et graine, que dit graine? Quel est le vocabulaire qu'utilise le peuple dispersé de l'Éthiopie pour graine? C'est Mena. Mena. Mena, c'est le MN. C'est le même et le noun qui donne Mena. Donc ce n'était pas man, c'était Mena. Ce n'était que la graine, les graines que Yakongo a donné à son peuple comme nourriture, mes frères et sœurs. Comme nourriture. C'était Mena. C'est vous et moi qui sommes les descendants de ce peuple qui a mangé ça. Est-ce que vous commencez à comprendre le miracle de cette vidéo? Réveillez-vous. Réveillez-vous, bien-aimés frères et sœurs. Réveillez-vous avant qu'il n'en soit trop tard. Ok? Donc, on en a terminé aujourd'hui. Que Tatanzambi soit loué, soit glorifié pour cette grande révélation. Soyez bénis, mes frères et sœurs, partout où vous êtes. Nos captifs aussi. La fin est proche, repentez-vous. Confessez vos péchés, abandonnez vos péchés et vivez continuellement dans la crainte de Tatanzambi, qui est la haine du mal. Et voilà quoi. Aimez Tatanzambi, faites sa volonté. Et cherchez la justice, c'est le Thiyadi de Tatanzambi. C'est. Voilà, le Thiyadi de Tatanzambi, c'est ça. Le Thiyadi. Donc, la photo que vous voyez sur l'écran exprime le Thiyadi. C'est ça le Thiyadi. Ok? Salama et salama pour tout le monde. Soyez bénis, Belouka.